Salut à tous et à toutes, c'est Jen14ic. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 en MME. Donc dans cette partie, je jouerai à la MSMC avec viseur laser et silencieux. Donc avant de vous parler et de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je ne filme pas en live et je ne commente pas en live dans cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, ce sera pas de vous montrer un score de fou, mais ça sera plutôt pour vous dire 2-3 petites choses, surtout à propos de ma chaîne. Donc vous êtes déjà 91 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc petite parenthèse, comme vous pouvez le voir, je me fais vraiment atomiser dès le début de la partie, donc je vous ai prévenu. Donc ça me fait extrêmement plaisir, donc je vous en remercie infiniment. Donc on est bientôt donc à 100 abonnés, il manque plus que 9 personnes s'abonnent et on est à 100 abonnés. Donc là c'est vraiment un truc de fou. Donc là, petite parenthèse aussi, on voit que je viens de me rendre compte que la portée de la MSMC est vraiment pas géniale, c'est plutôt une arme pour jouer du corps à corps que pour tirer de loin, c'est pas super. Donc là je galère à le tuer, donc j'ai fait assistance. Donc pour les 100 abonnés, bien sûr je vais faire une vidéo spéciale abonnés, spéciale 100 abonnés, excusez-moi, donc ça c'est sûr et certain, pour vous en remercier car ça me fait extrêmement plaisir. Donc encore une fois une assistance. C'est ça que je voulais vous parler. Donc vidéo spéciale pour les 100 abonnés, plus je vous ferai une petite chose que je peux pas trop vous en dire plus. Je vais vous dire 3 indices. Donc premier indice, je l'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, ça va être la toute première fois que je le fais. Deuxième petit indice, je pense que vraiment ça va vraiment vous plaire. Et troisième indice, c'est dédié plutôt aux joueurs PS3. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai failli me prendre une bêtise, je tue le mec. Donc dans cette partie, je vais plutôt rusher comme un malade. Je vais rusher comme un malade, même si, comme je l'ai dit, je vais pas faire un score de fou, mais je vais quand même rester dans le positif. Donc là, je retente ma chance. Finalement, je vois que je peux pas le tuer avec, comme je l'ai dit, la portée de la MSMC, c'est pas ça, donc je vais partir. Finalement, je vais me faire tuer derrière. Voilà. Donc franchement, je pense que ça va vraiment vous plaire, ce que je suis en train de vous préparer. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc encore une fois, on se rend compte que vraiment la portée c'est pas du tout ça. Hop, donc là je me refais un mec. Donc excusez-moi pour les petits blancs si je vous mets des petits blancs, mais c'est pas trop la forme, on va dire, aujourd'hui. Des petits problèmes de droite à gauche, donc c'est pas trop la forme. Donc je viens de me faire un double meurtre, plus je me refais une autre personne juste après. Donc voilà. En deuxième arme, je crois que j'avais le si je me rappelle bien, je me rappelle plus lequel c'est, il me semble que c'était le quatrième flingue, je me rappelle plus de son nom, il me semble que c'est le BR, je sais plus trop quoi, donc excusez-moi, je me rappelle plus de son nom. Donc là j'allais recharger, finalement je recharge pas, je le tue, je débloque donc mon drone de chasse plus mon colis stratégique. Donc là je vais passer ici pour essayer de contourner les personnes. Donc encore une fois, il y a une autre personne là-bas. Donc je prends, voilà, le B23R, je l'échange contre la N94. Et là vous allez voir que je vais m'en faire 2, il me semble. Donc un. Et le deuxième, il s'est suicide assisté. Donc après je vais reprendre la MSMC pour essayer de me faire quelques kills. Donc là j'envoie mon drone de chasse. Donc j'ai mis quand même du temps à débloquer, excusez-moi, mes skill tricks. Donc je les ai quand même débloqués. Le colis, il me semble que je vais pas réussir à le prendre. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis tout ce temps alors là que je pouvais poser le colis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas posé. J'ai été vraiment bête sur ce coup. Donc là, voilà, la Betty qu'on adore tous, je viens de me faire tuer. Donc l'exemple d'un gros campeur, il campait dans l'escalier avec sa Betty juste derrière lui. Donc ça c'est vraiment l'image d'un gros campeur. Donc là, il me semble que je vais me faire quelques kills aussi. Voilà, un kill avec la MSMC.
Là, hop, je rééchange mon B23R contre cette arme et je vais me faire deux kills cette fois-ci. Je tue le mec qui est dans l'escalier. Donc voilà, donc c'est une petite technique franchement que je donne. Mais là, je croyais que je les avais tous tués, mais finalement il y a un petit malin qui est arrivé, donc je vais essayer de le retuer. Donc je repasse ici et je vais le tuer. Hop, je me fais un deuxième kill et je débloque. Je pense pas que vous l'avez vu sur la vidéo car j'ai un peu trop zoomé, mais c'est pour avoir une bonne qualité. Donc j'ai débloqué tuer 150 ennemis avec cette arme sans le vide. Donc voilà, donc c'est la fin de cette partie. Donc on a perdu. Donc j'ai fait quand même un 29. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Excusez-moi encore une fois pour les petits vents. Et pensez à vous abonner, car pour les spéciales 100 abonnés, je vais faire une vidéo spéciale 100 abonnés plus une chose qui va vraiment vous plaire pour les joueurs PS3. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.